et ensuite soldat, il s'est passé quoi ? Il a essuyé son couteau sur son pantalon en nous pointant avec son flingue de l'autre main. Elle bougeait encore. Je veux dire, elle convulsait. Et vous confirmez ceci dans votre rapport ? Oui, mon colonel. Le soldat Alvarez a violé une fille du village et l'a tuée pour se couvrir. Alvarez affirme n'avoir jamais été dans ce village le jour de l'incident. Mais c'est des conneries ! Allez-y doucement, soldat. Stone a tout vu. Il a tout vu, lui aussi. Amenez-moi Stone. Soldat Stone ? Soldat Patrick Stone. Confirmez-vous que le 15 août 1972, vous avez été témoin du viol et du meurtre d'une jeune civile vietnamienne répondant au nom de Hu Pham, perpétré par le soldat Alvarez ? Non, mon colonel, je n'ai rien vu de tel. Quoi ? Désolé, Ben, mais j'ai rien vu. Faute de témoignage, nous ne pouvons que rejeter les accusations à l'encontre du soldat Alvarez. Pour qui tu roules, Pat ? Hein ? Qui t'a dit de faire ça ? Assez, McCall. N'allez pas trop loin. Comment va la fille ? Elle fait dans son froc. Bah, elle a de quoi ? Bon, les jeunes, il est peut-être temps de découvrir qui nous a balancé au cartel. Et comment vous comptez faire ça, exactement ? On met Dixon au courant du rendez-vous. Dixon ? Vous pensez qu'elle est dans le coup ? C'est une politique, mais je pense pas qu'elle soit pourrie à ce point. Je pensais plutôt à quelqu'un de son entourage. Non, mais vous êtes sérieux, là ? Si la fuite provient de son bureau, on le saura. Tout ce que vous souhaitez, c'est qu'ils envoient Alvarez, pas vrai ? Vous voulez pas lâcher le morceau ? Mais il vous a fait quoi au Vietnam, bordel ? Il s'agit pas de ce qu'il m'a fait à moi. Non, il s'agit de ce qu'il lui a fait à elle. C'est sa vie qui est en jeu dans cette histoire, pas la vôtre. Ça fait combien de temps que vous poirotez ici ? Trop longtemps. Je vais pas vous mentir, Jess. Evans a raison. C'est risqué. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui nous mènent en bateau sont les mêmes que ceux qui ont tué mon père. Je suis désolée, et j'aimerais bien savoir qui c'est. Vous devez arrêter les coupables. Ma vie en dépend. Si vous n'y arrivez pas, alors j'ai déjà un pied dans la tombe. Vous l'avez dit, Evans. C'est de sa vie à elle qu'il s'agit. C'est de la folie pure. Parfois, il faut savoir être dingue pour s'en sortir, ma jolie. Allons-y. J'appellerai Dixon sur le chemin. Et vous en faites pas, Evans. Il lui arrivera rien. Je vous le promets. Faites pas de promesses que vous pouvez pas tenir, cow-boy. C'est bon ? Jess ? Oui, je crois. Allez, on y va. Don Levy sera là dans 15 minutes. J'espère que c'est pas fini. Vous êtes là pour protéger nos fesses. Vous pourrez avoir une bonne vue d'ensemble depuis le toit, Evans. Vous nous couvrez et nous, on s'occupe du reste. C'est bon ? En piste. Vous êtes déjà au courant ? Alors comme ça, tout va bien. On accède au panorama par la porte de derrière. Regarde là. Tu veux pas larguer Pépé et venir avec moi ? Faut pas faire attention. Eh, hey, du con, je t'ai posé une question. Tu veux venir avec moi, la miss ?
Jess, ça va? Allez, Jess. Ça va, je crois. Tout va bien se passer. On avance. Comment tu te sens, Jess? Ça va, je crois. L'endroit est blindé de monde, mais l'agent Guerra ne sera pas loin. L'agent Evans nous couvrira depuis le toit. Si jamais on perd le contact, on pourra te repérer avec l'émetteur. T'en fais pas. Et toi? Moi, quoi? Tu vas me protéger ou tu vas poursuivre Alvarez? Non, mais je rêve. Ça revient au même. Ah bon? T'inquiète pas, petite. Tout va bien se passer. Evans? Je suis en position. Alors on attend. Reste bien. Bien, moi je serai là. Quelqu'un vient, par la deuxième entrée. Il lui ressemble. Ne vous retournez pas. Comment ça? Je pense que c'est lui, mais... je sais pas. Peut-être qu'on fait une connerie. Trop tard, surveillez-le. Je le vois. Je l'ai. Il s'approche de Jess. Ok, il se parle. Quelle est votre situation, Evans? Evans! Alvarez. Ben, Jess s'est barré. Ben, merde, rattrapez-la. Alvarez a tué ton Livy. Comment avez-vous pu le laisser tirer? Surveillez-la, Evans. Guerra, avec moi. Ben, qu'est-ce que vous foutez? Ben, ne tirez pas. Elle a une arme. Putain! Du calme. Passez elle pas à droite. Une arme. Alvarez! Chopez-le! Il va vers le toit! Ben, où est la fille? McCall! À droite! Montre-toi! Suivez l'émetteur. À droite.
regardait, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Par ici. On va où ? En haut ! Putain, vous vous prenez par la gauche ! Bordel ! Tu sortiras pas d'ici ! Merde ! Butez-les ! J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de ce genre. Là aussi, nous en laissons. Mettez-vous à l'abri. Tirez, bordel. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Vous avez vu Alvarez ? J'en ai rien à foutre d'Alvarez. C'est Jess que je cherche. Elle a pris l'escalier de secours. Alvarez aussi !
Vite! J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. À gauche. Mettez-vous à l'abri. Courez! Courez! Le signal dit qu'elle est dans cet immeuble. Allez, on entre! Le signal est fort ici. Elle est dans le coin. Jessica! Reste où tu es! On voit rien, putain. Plus d'une vache. Psst. Il y a quelqu'un d'autre ici. Salope! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Trouvez-la, à la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je surveillais Don Levy, mais il y a un truc qui me paraissait louche. Tout ce que vous aviez à faire, c'était sécuriser ce périmètre. Est-ce qu'il vous a donné la clé? Si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Vous l'avez fouillé au moins? Je vous l'ai dit, il avait pas cette putain de clé sur lui. Don Levy aurait pu être à la solde de n'importe qui. Et maintenant, on saura jamais qui, pourquoi, ni comment. Tout ça parce que vous avez laissé ce fils de pute se prendre une balle en pleine tête. C'est pas moi qui parlais du rendez-vous à Dixon. Me regardez pas comme ça, on était tous d'accord. Maintenant, on sait d'où vient la fuite, pas vrai? On sait que dalle! Ok, on a tous merdé.
Pour l'heure, ce qui compte, c'est de trouver la fille avant Alvarez. Je veux que chacun d'entre vous soit sur le branle-bas de combat. Contactez tous vos indiques. On n'a pas beaucoup de temps. Et plus un seul mot à nos supérieurs. Silence radio. On ne fait plus confiance à personne. Dixon, Waters, personne. Plus un mot à qui que ce soit. Linda, tu peux m'aider? Renseigne-toi auprès des filles, je cherche quelqu'un qui pourrait traîner en ville. Une métisse indienne avec une veste légère. Oh bah merde, elle était là! Elle cherchait Suzy, la rouquine! Elle est où? Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as rien dit? Elle s'est barrée. Si elle se repointe, tu l'occupes et tu m'appelles. Ben, justement, j'allais t'appeler. La fille est avec toi? La gonzesse du poste de police? Non, mais écoute, des mecs sont venus. Ils la cherchaient aussi. Il y en a même un qui a commencé à me tirer les cheveux. Et toi, ça va? Ouais. Ils ont reçu un appel et ils se sont cassés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bon. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit.